Eh bien, bien, bien. On va reprendre les lives. Je sais, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Je m'en excuse. J'ai une très bonne excuse, hein. Il y a Fire Emblem qui est sorti. Donc j'ai passé une semaine sans Fire Emblem. Genou que je n'ai d'ailleurs pas fini, hein, bien sûr. Faut peut-être pas exagérer, non. Ouais, je pense que t'as envie de dormir maintenant. Hein. Il y a des quartiers pour dormir en dessous. Pourquoi tu ne vas pas te coucher? Je suis fatigué. Allez, espérons que demain soit meilleur. Et demain, normalement, on est casino. Donc, pour vous rappeler l'histoire, nous sommes entre les mains d'un jeune aventurier. Jeune aventurier, tu vois ici. Avec la fougue de la jeunesse. Et nous partons à l'aventure pour découvrir le continent et ramener la petite blonde que nous avons secourue, nous et notre jolie maman. Jolie maman qui a l'air d'avoir la moitié de notre âge, mais... Et donc, nous sommes partis à l'aventure et nous avons découvert un marin dans un tonneau. Marin qui s'est révélé être un putain d'enculé, car il a piqué la broche de la petite blonde et il a joué au casino avec pour perdre. Du coup, il a un plan magnifique qui doit avoir lieu aujourd'hui et qui met en jeu la mère de notre héros. Et donc nous partons pour le casino. Est-ce que je vais trouver la touche qui permet de courir? Ah, mais si je joue avec le bon stick, c'est mieux quand même. Il va perdre, mais je vais quand même rester ici pour préparer son bateau. Au cas où s'il gagne. On en a acheté, je crois. De toute façon, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous et le village est bloqué, donc j'ai pas pu pex en fait. J'aurais certainement pex un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. La 3D est quand même jolie, hein, mine de rien. Pas assez de sous pour t'acheter ton sort de soin, je suis désolé. En plus je sens que c'est un sort qui rocks.
Et donc nous allons au casino. Au casino de Blanca. La beauté relative. Très relative, je dirais même. Donc j'imagine que tu es prêt à perdre une nouvelle fois à Londres. I gave you all my word as a sailor. Here and now, I'm putting myself on the line at this gaming table. En tant que marin, je mets ma vie sur la ligne. The stakes are high. And if I lose, les paris sont hauts. Et si je perds, then I promise to marry Bianca. Je promets de marier Bianca. What? Marry her? What? Huh? You've gotta be kidding. Marry her? I won't go along with this. All right. That's enough chattering. Roll the dice, Alonzo. I can't wait for our honeymoon. Je perds ma liberté, je veux aussi perdre mon charme. Est-ce que tu es sûr de toujours me vouloir? C'est parce que j'ai quitté le... Tout ce que j'ai besoin, c'est de toi, de me regarder dans les yeux. Je t'aime, Alonzo. Tu seras mien. Allez, on y va. Oh, l'amour. Ah, le premier jet est toujours bon. Un x10 bonus. Est-ce que tu te sens en chance, Alonzo? Un autre bonus x10. Now do your best, Alonzo, darling. After all, this is for our future, you know. What do you think you're doing? Get your hands off my Alonzo, you little hussy! Ta-ta-la-ta-ta-ta-ta. Alonzo wins! He did it! Alonzo won! Be quiet! That should have been a 12. Why isn't it? Why, Miserable cheater, you tricked me, Alonzo! En même temps, elle trichait d'abord, donc elle peut pas dire que l'autre triche maintenant. So, you knew the dice were going to turn up a 12, did you? It's rigged! The casino's rigged! She's a swindler! The game is over! You owe us about, wow, I don't even know where to begin counting. You've got a problem. How are you gonna pay for this? Tu as un problème. Comment est-ce que tu vas payer pour ça? I'll pay! Quit worrying! Je vais payer, regarde. Yes, de la thune! If that's not enough... I can offer you my beautiful rings. N'hésitez pas si je peux vous offrir mon anneau. You make me sick. If you want something, then earn it. It's not that hard. If you're a cheater, you'll never be anything but a loser. I want to split my winnings with everyone. Oula, partage tes gains avec moi d'abord. Arrête de jeter l'argent par la fenêtre. Arrête. Forgive me. Rendez-moi l'argent. Oh, the nerve of that woman.
trying to win someone's love by cheating. Well, I hope she gets hers someday. I know how you feel. But don't be too hard on Bianca. I mean, she's only trying to get by. It's not easy for a woman to make it alone in a place like this. Had she and I met under different circumstances, then maybe... Huh? Hmm? Now, we set sail. Everybody meet at the pier when you're ready. Eh, c'est parti pour le voyage en bateau, les gars. C'est parti. On va y aller. On peut rejouer au... Ouais. Trident. C'est cool. L'uniforme d'amiral. La broche d'Afina. Et bonjour à toi, Newman. Welcome on the live. Oui, c'est vrai, c'est l'autre stick. Arrête de perdre tes poils, ça chauffe. Il faut que j'aille chercher de l'argent parce que je peux pas acheter le bonus de l'autre et ça m'agace. Ça fait une semaine. Jour pour jour, une semaine. Exactement. Mais c'est vrai, c'est un manque de respect envers ceux qui me suivaient jusqu'à présent. J'essaierai d'éviter dorénavant de m'absenter trop longtemps. Je ne promets rien. Mais j'essaierai quand même. Ah, mais c'était parce que tu t'étais fait kick la dernière fois, tu te rappelles pas? T'avais un tal niveau 13. Et voilà! Ou alors c'est parce que Twitch a tout reset, mais ça c'est son problème. Tekken, c'est le bouclier. Putain, j'ai tout oublié quoi. Burn Strike, Burn, Howl. Howl. Ah, mais y'a pas que toi, mon ami. C'est quand même un très gros manque de respect. C'est bon, y avait Fire Emblem. Et Fire Emblem était plus important que le live. Bon, j'ai gagné combien de thunes là? Comment on va dans le menu déjà? Ah, voilà. 27, il m'en faut 280. Donc je pense qu'on n'a pas fini de farmer là. Et ça tombe bien puisque ça va me permettre de récupérer un peu les réflexes du jeu. Parce que j'avoue que j'ai un peu tout oublié là. Donc Owl, c'est la technique qui fait du vent. Ça, c'est très mort, c'est ce qu'il faut faire. Howling Wind. Et j'en suis au chapitre... je sais plus. Je me rappelle plus du chiffre. J'en suis plutôt loin. Eh non. Moi j'ai les deux versions et j'ai décidé de commencer par la version Conquest. Moi je commence direct en dur, ça va plus vite. Je fais quel chapitre? Bah, disparu de mon côté. Ah, tu le trouveras bientôt. À part si tu l'as fait tuer. S'il meurt, tu l'as plus. Moi j'en suis au chapitre 19. Je
dois avoir un truc comme 75 000 reloads de parties. Why not make things easier for everyone and stay out of our way? Et donc j'ai gagné 56 giles, donc il me reste plus que 200 et quelques giles à farmer. Eh merde, j'ai loupé. Oh là 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 là. Ah, c'est dans le scénar. Je peux pas te dire, moi je suis de l'autre côté donc. Something snap there. Blade of the Winds, cut swift and sure. Eh ben, au Royaume de Nord, il se passe des choses intéressantes que tu découvriras certainement parce qu'il y a des quêtes liées entre les deux quêtes, entre les deux scénarios. Et je ne vais pas te spoiler le jeu. Hey, were they even trying? Tu m'enverras en privé l'identifiant de ton château. Comme ça, j'irai visiter tranquillement. Et avec plaisir. Howling Winds. Il l'a pas tué. Mon bras droit. Make things easier for everyone and stay out of our way. Je sais pas de quoi tu parles, mais si tu me spoiles le jeu, Newmet, ça va mal aller pour tes fesses. Hein. Je te le dis tout de suite. Ah non, mais lui il a la tête du méchant, c'est bon. Depuis le début, tu sais qu'il est méchant. Il n'y a même pas ce petit méchant. Feel the wind blow. S'ils avaient tagué méchant sur son costume, ça aurait fait pareil quoi. We won. Thank goodness. Oh, mais t'inquiète, j'en sais. Je sais très bien ce qu'il fait. Toujours est-il que tu ne spoiles pas, s'il te plaît. On en est où? 149. Putain, l'argent monte vraiment pas dans le jeu. Alors, je sais pas comment c'est dans la version héritage, mais alors dans la version Conquest, tu ne gagnes aucune thune, quoi. Je suis à zéro, mais quasi permanent. Et encore, heureusement que les armes ne s'usent pas, quoi. Alonso. Allons-y, allons-y. This should help. Oh.
toi tu meurs. J'ai dit tu meurs. Laisse-moi les tuer. On s'en fout de ton sort. Et voilà, ils augmentent leur bloquier. Je l'ai aussi, Héritage. En fait, à l'origine, je voulais faire le live sur Héritage. Et je voulais faire Conquest pour ma gueule. Et s'étant passé ce qui s'est passé, bah, je vais faire les deux pour ma gueule. Et quand j'aurai fini les deux, bah, j'achèterai le troisième. Le troisième qui est certainement la vraie histoire au final. Time to get down and dirty. Est-ce que je peux pas revendre des potions pour faire de la tue? Sinon j'ai fini jamais. Voir ce que je ramasse sur les ennemis. Alright, we did it! Ouais, c'est ça. Mais bien sûr que je vais tout prendre. J'ai déjà les deux premiers. J'ai les DLC. Il me restera plus qu'à acheter Révélation quand j'aurai fini les deux. Mais j'attends de finir quand même parce que je veux pas l'acheter au prix le plus cher si je peux l'avoir un peu moins cher. Je suis un peu radin, tu sais. C'est pas la fête. On va aller voir si on peut revendre des potions. On en vend la moitié. Bah c'est une bonne question, je me demande quelle voie tu choisis justement. Est-ce que tu lis les deux familles ou pas? En fait moi ce qui m'exciterait c'est que ça arrive à lier les deux familles dans le dernier. Ou alors tu combats les deux. Oh putain, si tu combats les deux, comment je vais rigoler quoi. Ça doit être putain de difficile. Ah, c'est à côté qu'il y avait un vendeur. Pas de vendeur. Et je veux pas buy des skills, je veux en vendre. Bah je pense que ça sera ça au final, hein, parce que je pense que la vraie histoire c'est ça, mais j'attends. Je vais faire les deux premiers et je pense qu'à la fin des premiers déjà on devrait avoir une idée de ce qu'il faut faire en fait. Parce que j'ai un peu l'impression que ça va finir en autre boudin tout ça. Y'a pas un vendeur. Oh, pays de pouilleux quoi. Toi là-bas, t'as l'air de vouloir vendre des trucs. Bon bah on va devoir faire mal à l'ancienne, hein. Encore une centaine de PO. Ah, c'est que briser tout ça. Eh oh, tu parles pas des gens de Nord comme ça en ce cas. Putain, une preuve de ce que t'avances, hein? Qui te dit que c'est mon papa? C'est tellement un mec sapin.
un bon vivant, tout ça, tout ça. Le genre de type que t'invites à manger. Tu rates de te plaindre, hein, les sans-visage, ils sont pas très durs à tuer. Ouais, non, mais là, franchement, je suis déçu par ton comportement tout de suite, parce qu'il a assassiné des gens, qu'il a une tête de méchant, c'est un méchant. Non, mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas accepter ce genre de critique. Force 100%, 100%, 60 FPS. Oh, il va nous faire le coup de la batte. Ouais, 114 même. C'est rien, rien. Et puis bordel de merde, c'est la guerre. Faut accepter les conséquences, les enfants. Ouais, mais voilà, t'es raciste en plus, quoi. Non, mais non, je peux pas l'accepter. Je suis désolé. Faut accepter la différence. Heard something snap there. You don't. Mais ça a pas que l'air raciste, hein. C'est raciste. Tu n'aimes pas mon papa parce qu'il descend du dragon noir, quoi. Ça parce que soi-disant vous descendez d'un dragon de lumière. Genre voilà, vous êtes les gentils. C'est une question de point de vue, hein, mais je te le dis. De mon point de vue, c'est moi le gentil. D'ailleurs, quand je vous aurai tous défoncé la tête, ça sera moi le gentil. Vous n'êtes même pas assez pour un repas. Ripple Shot. Le Comet Spike. Je sens que le Comet Spike, ça va me... Ça va m'ambiancer un peu là. Tu paries? Moi, je suis du côté de Nord, hein. Je vais tout conquérir. Hein. Y a même pas moyen. Hein. Down and dirty. Another flawless victory. You want an autograph? Get in line. Ça serait logique, ça serait logique. Mais on sait pas. Et je veux pas savoir. Moi, je veux finir le jeu à l'ancienne, en galérant comme un chien. C'est comme ça que j'aime jouer à Fire Emblem. Sans dormir. Bon, c'est simple, hein. Je suis à 35 heures de jeu et j'aurais dû recommencer au moins 75 000 fois l'émission. Donc, je dois bien être à 100 heures de jeu. 100 heures de jeu en une semaine, ça me semble pas mal. Tout à fait déraisonnable d'ailleurs.
Et encore, je travaillais cette semaine, hein, parce que sinon, je pense que je vais me torcher dans la semaine. Ah, moi les tacticals, putain. Je sais pas comment t'expliquer ça, quoi. Je jouais à Bamu Lagoon avant qu'il soit traduit et j'ai joué tout en japonais, je comprenais rien. Et je kiffais ça, quoi. Et j'osais rien toucher dans les menus parce que je savais pas ce que ça allait faire, c'était énorme. Bamu Lagoon que je conseille à tous les fans de Tactical. Mais je crois que les versions traduites sont toujours un peu buggées. Je sais pas s'ils ont fait une vraie trad bien propre. Au final, je pense que non. En tout cas, c'est un super Tactical. Bon, toujours est-il que nous sommes dans Grandia 3. Grandia 3 qui est un très bon jeu. Et j'ai eu all hell. Est-ce que je peux équiper quelqu'un? Ah non, mais c'est vrai, faut les setup les magies. J'avais oublié. Et donc on va faire Grandia. Et quand on aura fait Grandia, ah mais moi je joue stratège, hein. Quand je perds un perso, je recommence la mission, hein. Je perdrai personne, je vais finir le jeu avec tout le monde. C'est ma mission. Equip Magic. Ta-da-da. Est-ce que j'ai des skills encore que je peux équiper? Non, c'est tous full skill, hein, les gars. Ouais. Ta-da-da-da. On va sauvegarder. Parce que la sauvegarde, c'est la vie. On va faire Zelda. Comment ça, on va faire Zelda? Non, après Grandia 3, il y a Star Ocean où je sais pas si je commencerai pas le... J'ai un Dark dans la liste. Je sais plus c'est lequel. Je sais pas si je commencerai pas un jeu où je me torture physiquement pour le finir. Allez, on y va les gars. Donc nous sommes dans un RPG, on va partir en bateau. Donc... Comme tout navire qui part sur la mer dans un RPG, en théorie, on devrait au moins se faire attaquer une fois, ou alors tomber sur un navire pirate. Franchement, s'il n'y a pas de navire pirate, on ne se fait pas attaquer, ça craint. Man, I wish I had wings too. Ah, j'aimerais tellement avoir des ailes. Well, I did once. My friend and I built our own airplane. On a construit. I tried to fly to the mainland with it, but it didn't work out. Continent principal, mais ça n'a pas marché. The mainland, huh? Le continent principal. I made my friend a promise. I told him that our dream was gonna come true. I said I'd become the best pilot in the world. Que je deviendrais le meilleur pilote. Tell me. Dis-moi. What does it mean to be the best in the world? Qu'est-ce que ça veut dire d'être le meilleur au monde? How do you know if you've succeeded? Comment savoir si tu as réussi? Who decides that you're the best one? Qui a décidé que tu es le meilleur? Well. Eh ben. I mean, do you become the best in the world when you make it to the mainland? Le meilleur. Or after you've flown around the world? Will you be done with flying as soon as you've done these things? Est-ce que tu arrêteras de voler une fois que tu auras réussi tout ça? No, I never want to stop. Non, je n'arrêterai jamais. I just want to keep flying. Je veux continuer à voler. Higher and higher. Plus haut et toujours plus haut. Yeah. Ouais. That's what dreams are like, kid. Voilà, c'est ça que sont les rêves. You never even think about what you do if they actually came true because you get so wrapped up in them. Est-ce que tu es tellement... You'll find your dream someday. Tu trouveras ton rêve dedans. You're going to fly high, Yuki. Tu vas continuer à voler. I have no doubt about it. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et ben, pourquoi il n'y a pas de Zelda? Parce qu'il n'y a pas de nouveau Zelda cette année. Et pourquoi le Zelda Wii U y est encore, alors qu'il sort l'année prochaine? Et ben, parce que je continue à espérer qu'il sortira d'ici décembre. Et s'il sort en décembre, fatalement, on va le torcher en décembre. Il n'y a même pas moyen, quoi. Moi, je continue à rêver, les enfants... Jusqu'à la dernière seconde. Moi j'ai des étoiles dans les yeux quand je pense à Zelda. J'ai pas encore regardé la nouvelle vidéo, j'ai vu qu'il y avait il y avait eu 90 minutes de présentation du jeu là, l'E3. Je l'ai pas encore regardé.
Et je vais la regarder un jour. Et oui, je rêve encore et encore. Ah, j'espère. Moi, je suis un gosse, hein, tu sais. J'imagine qu'on va bientôt se dire au revoir. Quoi ? Ah oui, tu as dit que tu partirais. Nous avons eu de bons temps. C'est la première fois que j'ai été capable de rire aussi librement. Si je ne vous avais pas rencontré, j'aurais certainement abandonné d'aller à Harcrift, je suis sûr. Vous ne savez pas combien cela importe pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Ah, elle sait ce qu'elle doit faire, elle est si sûre d'elle. Al final, quand j'aurai mon avion, je suis sûr que si c'était toi et moi, je pourrais. Ah, il est amoureux le petit, hein. T'inquiète pas, il n'y a aucune façon pour que j'abandonne. Je me dis, il sort à Noël, parfait, il me reste 6 jours pour le finir dans l'année. Qu'est-ce qu'il y a, Yuki ? C'est la chance parfaite de parler avec Alpina. Ça serait pas mal d'aller embêter Alonso aussi. J'en ai rien à foutre. T'inquiète pas, l'espoir fait vivre. Il faut continuer d'y croire jusqu'à la dernière minute. J'aurais parlé aux deux, et puis j'en ai rien à foutre de l'un d'eux. Je vais peut-être découvrir un passager clandestin dans la cabine du capitaine. Une corne. Je peux récupérer la grosse épée, ça a l'air sympa. Tu as raison, Alonso. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que ça voulait dire être le meilleur pilote au monde. Je vais voler, c'est tout ce que j'ai. Mais une fois que j'aurai mon avion, qu'est-ce que je devrais faire? Quel devrait être mon but? J'ai complètement perdu ma vision à long terme. C'est bien un garçon, tu es toujours jeune. Ouais, 6 jours au peignoir, t'es malade. Bah, je suis malade, oui et non. 6 jours open world, ça fait 24 x 6, quoi. Ça peut se faire, hein. Puis un open world, c'est toujours très relatif, hein, tu sais. J'ai pas dit que j'allais le finir, mais je vais aller au maximum, quoi. Toujours-t-il que s'il sort à Noël, il y a moyen que je puisse le commencer cette année. Donc je vais pas le retirer de ma liste. Parce que si je le retire de ma liste, après il y a les gens ils vont me dire « Ouais, mais il est pas dans ta liste. » Mais si, il est dans ma liste. Et il y restera jusqu'à la dernière minute. C'est tout. Je suis un gosse. Je suis heureux. Oh, c'est rien. Est-ce que tu es fatigué? Tu devrais peut-être te reposer. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, la nuit, ça annonce le bateau fantôme. Allez, j'annonce le bateau fantôme, je le sens bien. Un bateau. J'ai oublié les moments de galère. Non, j'oublie rien, je sais. Je sais comment ça va être, je sais tout à fait comment je joue, comment je joue pas. Mais t'inquiète, ça va se passer. D'une façon ou d'une autre, il faut que je fasse le maximum dans la liste. Ah, Yuki, il y a eu des bruits étranges qui venaient de l'extérieur. Miranda et Alonso sont allés voir. Ah, on dirait des problèmes. J'imagine qu'on peut pas éviter ça pendant un voyage.
Non, Newmed, c'est une convention dans tout RPG. Si tu fais un voyage en bateau, il y a forcément à un moment un ennemi qui pop. C'est obligé, c'est comme ça. C'est la malédiction du RPG. Qu'est-ce qui se passe, Alonso? C'est quoi cette stupide tempête gigantesque? Ou une tempête? Il fait bleu clair. Oh oh oh! Je me suis trompé. Visiblement, on va se faire attaquer par des pingouins carnivores pirates nocturnes de la mort qui tue. Oh putain, qu'est-ce que c'est moche! Mais ce qui est bien, c'est que comme ils sont bien pack, on va pouvoir faire plein de sorts de zones. Histoire de bien les doser. On va faire très mort. Le truc qui vole, mais je fais quand même des tremblements de terre. T'as vu des requins corbeaux, ça rock. Why not make things easier for everyone and stay out of our way? Ah bon, ils ont oublié que j'avais Pex avant en fait. J'avais un tout petit peu Pex avant de venir ici. Encore? Ah classe! C'est un combat en plusieurs vagues. Et moi, tant que ça marche, je continue les gars. Rien à foutre. I'll give it a shot. Je vais essayer. Heard something snap there. Tremor. Tremor. Et hop là. Je pense que ça c'est pas bon. All right, we did it. Et c'est comme ça qu'on fait le café, les enfants. Je pense que j'ai déjà trop pexé pour ce jeu. Regarde tous les cadavres de pigeons. Ah non, ils sont pas morts ceux-là. We're surrounded. Back. Oh putain, il y en a un grand qui arrive. Oulala, là là. Les petits s'en vont, ça veut dire qu'il y en a un gros qui arrive. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je disais? Hmm? Look, Yuki, a dragon. Regarde, Yuki, un dragon. A dragon? Non, c'est pas un dragon, ça. Non, 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 non. C'est une wyvern. Ne mélangez pas tout, les enfants. Hey, that's not the Alonso I remember. Eh, c'est pas le Alonso dont je me souviens. You really saved us there, Ulf. That was perfect timing. C'était le bon moment. I thought a veteran sailor like you would have enough sense to set a course clear of the boat swallow's territory. But that's just it. They had no reason to be in this area. If you ask me, it's strange. Do you think maybe it's because of all those earthquakes? Well, I can't rule it out. Huh? What are you talking about? C'est pas drôle. Hmm? And who's this? Ah, il y a des tremblements de terre qui sont en train de perturber les animaux. He's an airplane pilot. Ah. Yuki, airplane? Ah! Then you're a flyer too. Alors toi aussi tu veux. Hey, that hurt! What's the big idea? That's just his way of saying hello. C'est juste sa façon de dire bonjour. It's a compliment. J'ai pas tellement envie qu'il me morde à chaque fois. Nice to meet ya. Envie de te rencontrer. So, tu vois, le poignet de main, has anything odd happened recently? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de bizarre qui est arrivé? Another one of those nasty quakes hit. I heard it even did some serious damage to a castle somewhere. Il a fait beaucoup de dommages. Nobody knows château. When those things are going to strike next. Personne ne sait quand Yuki, you should probably be careful when you're.
Yuki, tu devrais te faire attention. Ah, je pense qu'il est monté sur le dragon. Wow. Your dragon. It was flying earlier, wasn't it? You saw us fly, didn't you? And don't call him it. He's got a name, you know. He goes by the name of Shiba, got that? Ah, il s'appelle cool. Shiba. Quoi. Un dragon qui s'appelle Shiba. Shiba? Ah non, tu rêves pas, il a une queue de loup, il a des grandes oreilles. Well, Yuki, like my dragon? Oh yeah, you bet I do. After all, I love flying. Wow. Wanna take a ride? Really? Why not ask Shiba? If he's in a good mood, he'll let you ride him. Eh, c'est pas un dragon, malheureusement, mais personne va aller les contrarier, ils nous écoutent pas. Ah, c'est Shiba, c'est pas Shiva. Putain, et le mec, il a un accent à tirer au couteau, quoi. Est-ce que ça veut dire oui ou... Bah, je pense qu'il va pas tarder à se transformer en animal, mais... Je voudrais savoir sa race avant. Ne le sous-estime pas. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir le monter. Je pense que les Wyverns lisent dans l'esprit. Personne ne peut me battre. Surtout quand c'est pour voler. Je me demande si j'essaye assez souvent, il va me laisser y aller. Non, ça va être chiant. Ou alors faudrait que je fasse tourner le jeu plus vite. Ouais, mais je sais pas si c'est un loup. Je peux pas dire que c'est Link Loup, c'est tout. C'est pas possible. Est-il que le dragon s'appelle Shiba? Et Shiba, c'est plus fort que toi. Je suis sûr que vous avez tous remarqué que la porte n'est pas... Oh, regarde cette jolie petite queue! C'est tellement mignon! Ah, ça le serait s'il m'avait pas mordu. Alors. Ah, maintenant qu'on a un invité, j'ai envie de faire un bon repas, mais il n'y a rien à faire. Peut-être qu'on aurait dû manger ces requins, requins, pingouins volants, corbeaux, machin truc. Ouais, non, ça a pas l'air super. Et comment pourrais-tu servir ça à un invité? Je suis bien d'accord. Tu as sauvé mon bateau. J'ai faim maintenant. I get it. Hey Miranda, pourquoi est-ce que tu ne cuisinerais pas quelque chose, un peu de poisson? Ah, je sais. Je pourrais cuisiner moi. Non, c'est pas une très bonne idée, cuisine pas. Oh, ne t'inquiète pas, Alfina. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire... tu dois être fatiguée, Alfina. Tu devrais aller te coucher. Ouais. C'est vrai. Laisse-moi cuisiner. Et repose-toi.
Non, non, faut pas laisser la blonde cuisiner, elle a déjà fait un désastre, ça fait mal au ventre, tout ça, tout ça. Vous pouvez voir ça sur le second replay. Eh, allez-y les gars, s'il n'y en a pas assez, je peux toujours aller en attraper d'autres. Oh, la musique de Grandia, quoi. Juste pour ça, ça vaut le coup de jouer à jeu, quoi. Juste pour cette musique. Ah. Je ne peux pas me rappeler la dernière fois que j'ai eu un tel repas sur ce bateau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, l'autre il sert son poisson carrément pas cuit d'habitude. Ouais, tu m'étonnes. Un giant anglerfish fish. Ouais, il mange du poisson quoi. Vous voulez pas nous dire des trucs intéressants? Ah, tu es vraiment une cuisinière excellente, Miranda. Ta-da-da. No problem, Slushy. Thanks to watch me. Thank you, Slushy. Welcome here. Bam 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 bam. Et là ils sont en train de discuter sur le fait que l'autre il est toujours en train de servir du poisson cru quoi. Eh, comment ça se fait que tu t'entends si bien avec Shiba? Ah, j'y ai vraiment jamais pensé. J'ai vécu toute ma vie avec lui. Newman, t'inquiète pas, c'est pas grave. On peut pas tous être bons à tout. Hein. Moi-même, mon anglais est assez désastreux. Ah, c'est comme si nous étions frères. Shiba est une partie de moi. Et Shiba m'appartient et je appartiens à Shiba, c'est tout. Ah, c'est plutôt cool. C'est comme ça que son peuple vit. Son peuple. Ah, il y a un peuple qui vit dans la vallée et qui vit avec les dragons. Dragon's Valley, c'est là où vivent les gens avec des dragons, et des gens avec des queues surtout. Et il y a des plus gros dragons que Shiba. C'est incroyable, il faut que j'y aille. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils appellent ça des dragons. Eh, si tu es un pilote, qu'est-ce que tu fais sur un bateau? Eh ben, il a écrasé son bateau et il l'a foutu en feu. C'est plus qu'un tas de pièces détachées, man. Ah, c'est pas ça, c'est que Miranda est montée sur l'avion. Elle est trop lourde. Tu penses, Yuki, que tu devrais fermer ta gueule? Hugo? Si seulement j'avais un avion, je pourrais voler avec toi et Shiba. Ah, si tu veux un avion, tu n'as qu'à demander au vieil homme. Quel vieil homme? Qu'est-ce que c'était son nom? Ah, je l'ai au bout de ma langue. Est-ce que tu pourrais dire? Ah,
le Sly Captain Smith. Hein. Le Sky Captain Schmidt. Est-ce que tu connais vraiment Schmidt? Moi je les connais, c'est des cuisines. Ouais, à chaque fois que ce mec me voit, il me donne du travail, la dernière fois. Emmène-moi le voir. Pourquoi? Schmidt est mon héros. Je veux aller le rencontrer, s'il te plaît. S'il te plaît, emmène Yuki voir Schmidt. Désolé, je peux pas. Je ne m'entends pas très bien avec le vieil homme. Hey, Yuki a fait un long chemin, pourquoi tu n'emmènes pas voir Schmidt? Il a qu'à aller le rencontrer lui-même, c'est pas comme si le vieil homme se cachait ou quoi que ce soit. Je me demande s'il voudrait bien rencontrer quelqu'un comme moi. Après tout, c'est un pilote légendaire. Légendaire? Je sais pas à quoi tu t'attends, mais c'est juste un homme moyen. J'en attends beaucoup de lui. Pourquoi je connais cette image? Pourquoi je connais cette image? C'est pas un artwork de Wakfu ou une connerie comme ça? C'est qu'un vieil homme désagréable pour moi. Quand j'étais petit, je regardais le film de Hugo Schmidt quand il était encore en activité. Et il était tellement merveilleux. J'avais l'impression qu'il volait littéralement entre les camps. C'est ce jour-là que j'ai décidé de devenir pilote d'avion. Ton héros. Je déteste changer de sujet, mais ces poissons volants en forme de pingouin là et avec une tête de requin, ils devraient pas être ici. Normalement, ils habitent dans Randonto, Iceland, l'île de Randonto. Et ils ne quittent là-bas que quand ils sentent un danger, quand il y a un désastre naturel. Qui signifie certainement. Oui, certainement. The Whisperers. Je sais pas ce que c'est, les Vespers, mais. C'est les méchants du jeu. Ils ont été avalés. Visiblement, ils apparaissent pendant les tremblements de terre et ils feront tout disparaître. Et où est-ce que finissent ces gens? Les histoires disent que les personnes sont aspirées dans un autre monde. Le monde parallèle. Parallèle. Un monde parallèle. Je suis pas un expert, mais cet endroit doit être horrible. Des tortues lanceuses de feu, des serpents avec 100 queues. Sans que c'est 100 queues et pas 100 têtes, moi ça me va. Hein. C'est pour ça que personne n'en revient jamais vivant. Hein, ça ne peut pas être vrai. Hein? Afina. Désolé, je me sens pas bien. Je vais aller prendre l'air. Alfina semble savoir des choses. Faut que je me rase.
Alfina, what's wrong? Alfina, qu'est-ce qu'il y a? It's nothing at all. Ce n'est rien. Everything's fine. Tout va bien. Really? Vraiment. La fille, elle est en larmes, elle dit ça. Does what we talked about earlier? Est-ce que c'est à propos de ce que nous parlions tout à l'heure? Il y a quelque chose qui ne va pas? I know that the first realm isn't hell. Je sais que it couldn't have anything to do with the end of the world. It's just not possible, Yuki. Or otherwise, my brother. C'est son frère qui est responsable de tout ça. Les tremblements de terre, la disparition Alfina, des gens. What is it? What's troubling you? Quel est ton problème? Pourquoi des désastres naturels te mettent tellement en colère? Je dois juste rejoindre Alfred rapidement. Quoi qu'il arrive. Le mec, il a essayé de placer sa main sur son épaule. Mec, ça va trop vite. Tu vas trop vite avec la petite Alfina. La petite Alfina, elle a pas l'habitude. Si tu essaies de t'avancer trop vite, tu n'arriveras pas à la serrer. Ah, faut tout leur dire à ces jeunes. C'est pas possible. Au Wakfu, je l'ai installé. Faudra peut-être que je le lance un jour. J'avais pas dit que je ferais un week-end découverte, d'ailleurs. Enfin, découverte pour moi, en tout cas. Après, pour vous, je sais pas. Il faut que je le fasse. La semaine prochaine, j'ai des déménagements, donc ça va pas être possible. Je propose qu'on se cale une date pour ça. Ou alors je dis tous les mardis, je fais du Wakfu. Je sais pas, faut y réfléchir. Ça peut être une bonne idée. Alfina. Il est gratuit, pourquoi tu l'as pas? Est-ce que ça va? Oui, merci. C'est bien. Bon, elle s'est remise, c'est bon. Elle va arrêter de nous faire des crises de nerfs, là. Eh, où sont les autres? Ils disent au revoir à Ulf. Je devrais y aller. Je prends Héliatrope. Mais je sais même pas c'est quoi un Héliatrope, quoi. Je commence pas à me troller, à me dire de prendre une classe. Le mardi, à partir de plutôt 17h30-18h, si c'est moi. Faites attention à tout ce qui paraît étrange. Ouais, prends soin de toi. You just made it, Yuki. Ah, t'es réussi. Hey Ulf, leaving already? Hey Ulf, tu t'en vas? Yep. Ouais. I see. Je vois. Oh, Yuki. Hey Yuki. If you're still planning to see Schmidt, you should stop at Randoto. Randoto? The guy loves lem fruit. It only grows on Randoto Island. It might get your foot in the door. Lem fruit. Hmm. Well, donc le mec, le vieux pilote Schmidt, il aime bien Randoto parce qu'il y a des fruits là-bas. I'll get wings of my own someday. Je te and promets then, que nous volerons. We can both fly together. Et c'est parti! C'est un gamin lié à un dragon qui peut créer des portails. Ouais, mais moi je suis plutôt rogue en fait, pour tout te dire. Est-ce que mon portable, ça serait mieux à faire des mises à jour dans mon dos? When the wind blows southeast, our paths will cross again! Enfin, toujours est-il qu'on n'en est pas là, on est toujours sur Corandia. I know Randoto. It's a tiny island between Sabotar and Mendi. Je connais Randoto, c'est une petite île. Right by it. Huh? Hmm. Alfina. Alfina. This is a little difficult to ask. C'est un peu difficile à demander. Maybe... Est-ce que vous pourrez aller à Randoto? You want to go to Randoto, right? J'imagine que tu vas aller à Randoto, c'est ça. It's okay. Let's go there, Yuki. Allez, allons-y. Thanks a lot. Ooh. Thank you, Alfina. Merci, Alfina.
Ouais, c'est vrai que c'est son bateau techniquement, hein. C'est elle qui a engagé le petit marin. Et donc, comme vous voulez voir, il a customisé son bateau et il pilote ça depuis une moto. Et c'est quand même la classe, quoi. Faut bien l'avouer. Et le machin avance super bien alors qu'il a une toute petite voile. Eh, bonjour à toi, Kazoo. Ça semble désolé. Est-ce que c'est Randoto? Eh bien, il n'y a pas grand-chose ici. Je me demande si on va trouver des fruits de laine dont Ulf nous a parlé. Ils sont normalement super durs, non? J'en ai jamais vu. Ce n'est pas surprenant, cette île est le seul endroit où ils poussent après tout. Mais on peut les utiliser pourquoi? Même si tu les fais cuire des heures et des heures, ça ne suffit pas. Allez, on va aller voir. Depuis quand il est modo? Oh, il est modo depuis que je l'ai décidé en fait. C'est Dieu qui décide. Et moi j'ai toujours dit qu'il fallait pas de modo quand il y avait que 4 viewers. C'est vous qui pleuriez pour être modo. Du coup j'ai mis tout le monde modo, tout le monde est heureux. Et puis c'est en avance, un jour ou l'autre il y aura peut-être plus de gens sur le chat. Une grotte. Une grotte avec plein de chemins. C'est pas normal, normalement quand il y a un trou comme ça, il y a un coffre. Moi je suis désolé. Le coffre est là. Comment on va y aller? Oh oh. Je croyais que t'allais me voir comme ça. Le livre du prêtre. Non, tu peux pas, non. Je suis le seul à pouvoir kick qui joue. D'accord, les fleurs permettent de tout faire exploser. D'accord. Ça va être pratique. Et ils ont pas mis un ennemi. Non mais sérieux, il faut des ennemis. Je vais pas me balader dans la grotte s'il y a rien, quoi. C'est un RPG, les gars. Ah, un boss. Non. Ah non, juste des crapauds dégueulasses. Nous sommes les hommes crapauds. T'as kiffé ou pas? T'as kiffé. Oh divine comet, bringer of light, illuminate the darkness. Hey GG Kazuo pour ton level 6. Alors préparez-vous parce que je pense qu'on va bouffer du crapaud dégueulasse pour un moment. Je pense qu'il y aura que ça dans la grotte, hein. Très franchement.
Howling Winds. C'est pas le level qui compte, c'est l'implication sur la chaîne. Mais bon, c'est vrai. La monture, c'est à partir du level 30. Désolé. That was pitiful. Come back when you learn how to fight. Hey, bonjour à toi, Milly. Welcome to the chat. Je vous envoie un poney, Réunion. Ouais, une photo de poney, hein, parce que c'est pas dans mes moyens. Je suis vraiment désolé. C'est un peu compliqué, les poneys au niveau achat et tout ça. Une photo de dragon. Arrive au niveau 30, tu me donnes ton adresse et je t'envoie une photo de dragon dédicacée par ton streamer préféré. Et si c'est pas moi, bah je suis désolé. Oh, ils sont tous endormis quoi. T'as la loose quoi, les mecs ils servent déjà pas à grand chose, mais en plus ils dorment quoi. Hey, were they even trying? Ouais mais attends, tu peux pas me mettre un excellent comme si j'avais pas perdu de vie alors que visiblement ils sont tous pris un coup quoi. Certes c'est pas de la magie qui enlève des vies. C'est ridicule. L'attaque est passée. Tremor. That was pitiful. Come back when you learn how to fight. La Total Repeat. Mais ça arrive que quand j'ai fini le combat. Sans perdre de vie. Ce qui risque d'être le cas, parce que c'est quand même des mauvais dégâts. Genre là, il va pas s'écrire. Normalement. Parce que je me suis fait taper. Make things easier for everyone and stay out of our way. Et FF15, il sort en novembre ou en septembre. Il sort fin septembre, donc début octobre. Donc malheureusement, pour l'instant, votre fusion n'arrivera pas. Ah, c'est super crédible. Regarde là comme ça. You're not enough for a meal. But I'll call you up anyway. Deux, je vais pas faire ça. On va pas être ridicule à ce moment-là. Comment ils l'ont violé quoi. Hey, were they even trying? Eh ben écoute, pour l'instant non, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, les bots proposeront ça. Il faudrait trouver un bot qui vous permet de vous défier. Mais là, pour l'instant, non. Après, on peut faire une rencontre IRL où vous battez pour la gloire et l'honneur de Bacchael. Hein. Je m'assierai sur un fauteuil pour vous regarder vous battre. Hein. Ce sera avec plaisir. Il y aura du sang et tout, ça sera marrant. En mode sadique. Et shish kebab. Et shish kebab.
Alors, tu chopes le Jean en cours. Alors, comment t'expliquer? Donc, nous avons Yuki, le héros principal. Yuki est un jeune garçon qui rêve de voler dans un monde où il vole encore, comme dans les années 60, sur des avions qui ressemblent à des deltaplanes prêts à s'écraser. Mais vraiment, hein. Après, nous avons Miranda. Miranda, la jeune femme qui semble avoir le même âge que Yuki et que je pensais être sa copine d'enfance, est en fait sa maman. Sa maman qui est une putain de sadique avec deux couteaux. Voilà. Après, nous avons Alphina. Alphina, une jeune fille qui était recherchée par des chevaliers mystérieux et qui visiblement a le pouvoir de parler aux dieux. Son frère semble causer des gros soucis dans le monde. Et nous avons décidé d'accompagner Alphina loin de chez nous. Parce qu'en fait, on avait envie de se barrer du village de Tokar où on était né. On est un tout petit peu un gros enculé, un petit peu. Et notre rêve, c'est de voler. Et notre pote, et qui est techniquement l'ingénieur, est parti. Et comme on a crashé l'avion, ben voilà. Voilà, ça j'allais en venir là, mais après. Donc, Alphina, que Yuki essaye de se taper depuis le début du jeu, est une petite fille un petit peu coincée et un petit peu perdue parce qu'elle ne connaît rien du monde. On ne sait pas encore tout à fait d'où elle vient, mais visiblement elle était dans un moment perdu. Après, nous avons Miranda qui essaye de casser son fils désespérément depuis le début de l'aventure. Visiblement, elle n'a pas envie que ça fasse un Tanguy, et elle n'a pas envie qu'il reste chez elle jusqu'à la fin de sa vie. Alphina qui est le personnage comique aussi, parce que c'est elle qui essaye de cuisiner mais qui n'y arrive jamais. Et enfin, nous avons Alonso, le marin totalement à l'ouest, que nous avons trouvé dans un tonneau au bord de l'océan. Et qui donc possède le bateau qui nous permet de traverser l'océan principal entre les deux continents. Et là, nous sommes arrivés sur une petite île qui nous permet de trouver des fruits afin de pouvoir les offrir à la légende vivante qui est aussi... Comment ça, elle est bizarre cette histoire ? Moi, pour l'instant, le seul truc que je trouve bizarre dans l'histoire, c'est que la maman semble avoir le même âge que le fils. Ça, je t'avoue que je m'en suis pas encore remis. Moi, quand il a dit « maman », je me suis dit que c'était une blague, hein. Parce que là, pour le coup, Miranda a vraiment l'air d'avoir le même âge que son fils. C'est ça où elle a trouvé le secret de la jeunesse éternelle. Après, je te fais un peu à ma sauce, hein, mais le jeu est volontairement comique. Il y a des scènes qui m'ont fait hurler de rire au début du jeu. Je vous laisserai regarder les replays si vous avez envie. Des scènes qui font mourir de rire dès le début du jeu, donc je pense qu'il y a un petit côté marrant assumé dans l'histoire. Je me demande si on peut l'exploser à coup de... Eh ben non. Et c'est ça, la jeunesse de la maman. Moi, si toutes les milfs étaient comme ça, je voudrais me taper des milfs tous les jours. Voilà, mais moi aussi, je croyais que c'était sa sœur ou sa copine d'enfance, quoi. Un classique dans les RPG, mais toujours efficace. Une Tifa en gros. Howling Wind. Feel the wind blow. Ben peut-être, nous découvrirons peut-être plus tard qu'en fait ce n'est pas sa maman, mais qu'elle l'a juste élevé comme son fils. En fait, elle a que 2 ou 3 ans plus que lui. Mais pour l'instant, nous ne savons pas. Pour l'instant, c'est sa maman. Et en plus, elle fait le café. Why not make things easier for everyone and stay out of our way? Ah parce que regarde, elle fait pas vieille quoi. Bon, Alonso, il a pas l'air beaucoup plus vieux techniquement. S'il avait pas de la barbe, il ferait très jeune, je pense.
Oh oh, une épée. Paralysie. J'ai looté des trucs, moi, des fois. C'est un peu radin en loot, je trouve. Toujours est-il que, donc, nous sommes à l'aventure et que nous cherchons des fruits pour pouvoir les offrir à notre idole. Notre idole qui semble adorer les fruits qui sont immangeables et qui viennent de cette île. Alors, va savoir pourquoi il en veut, vu que tout le monde a l'air de dire que c'était pas facilement mangeable. Facile pour tout le monde et rester en dehors de notre chemin. Eh ben parce que sinon on n'aurait pas d'XP. Et l'XP dans un RPG c'est très important. Parce que soyons francs, ce n'est pas avec les trois poissons volants pingouins à la tête de requin qu'on va s'en tirer à la fin du jeu. Surtout qu'ils donnaient pas beaucoup d'XP les cochons. Drummer XP. En tout cas, ce grand Dia 3 a un système de combat qui est plutôt sympathique, avec des petites actions bonus quand vous faites voler les ennemis et que en même temps vous les frappez. Vous voyez comme celle-là. En fait, le personnage principal a envoyé l'ennemi voler dans le ciel et du coup, comme la petite blonde a tapé dessus, et ben ça a créé une action spéciale qui a enlevé plus de vie. En gros, un critique. Mais un critique animé. Et ça, c'est très important dans un jeu. La puissance. Là, là, là. You surprise them. Vous les avez pris par surprise. Vous les avez pris par surprise, mais par contre, ils sont déjà prêts à attaquer. Et on s'en fout de plein la tronche. Comme des vieux dégueulasses. Un chiche kebab. Un chiche kebab. Fait n'importe quoi, les ennemis étaient loin l'un des autres. La caméra a vraiment pas quitté ça. All right, we did it. Millie. Des couteaux de force. Et pendant ce temps, sous le chat, ils font de la merde. Alors, et voilà.
Genre c'est le chat quoi. Mais je vais être Madiani, mais je ne vais rien dire. De toute façon, je m'en fous en fait. Faites ce que vous voulez, foutez le bordel dans le chat. Faites-vous plaisir. Du moment que vous ne me faites pas kick de Twitch, ça me va tout à fait. Something snap there. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça parte en couille. On va y aller à fond, c'est parti. L'autre il invoque ses potes, mais sérieux quoi. T'as pas le droit d'invoquer des potes. Ça c'est fait. Toi tu peux. Ah. That was pitiful. Come back when you learn how to fight. Bon. S'il y avait Rav dans le sud, dans le coin, c'est bon, j'accepte. Avec un W, je suis toujours sûr que c'était Do, Do, bon. Howling wind. Putain, la caméra, comment elle a du mal à suivre, quoi. Why not make things easier for everyone and stay out of our way? Ah là 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 là, la violence, la violence, la violence. Cela n'a jamais rien résolu. Sauf que si en fait, c'est pas bien. Putain, je fais péter des murs. Ça c'est la puissance de l'épée les gars. Okay. Tout ça pour faire des raccourcis. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire chier l'ennemi? Et Shadow. Ah. Et t'as déjà essayé de le peindre en noir et de le donner à manger un hérisson. Et la vie. On se calme, sinon je lance l'éclair divin. Hein. Et Dieu, c'est moi. La webcam qui est en PLS, qui ne sait plus de quel côté elle doit aller. C'est les pentes, c'est ça, là, ou c'est les cadres ? Ah non, c'est parce que je l'ai mis en légèrement transparente. La caméra en PLS. Feel the bite of my flesh. Get ready for a little slice of. Ah, Newmed il triche direct quoi. Le mec il sort son attaque à 300 PV quoi. Le mec il commence directement par l'ultime limite quoi. Feel the wind blow. We won.
not enough for a meal. But I'll fry you up anyway! Bouclier infini de l'invisibilité infini. Oh. Oh, le mec est paralysé. At this rate, I'll be mobbed to death by a fan. Magikarp lance trompette. Il ne se passe rien. Je pense qu'il n'aurait pas eu cette transformation de dingue. Je pense que ce Pokémon aurait disparu tellement vite, quoi. A use weapon. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc quand on sait pas ce que c'est, eh ben on fait pas. On est bientôt à la sortie de la grotte. Ah, tu peux être le winner si tu veux l'écrire comme ça. Oh putain, on est dans Dark Souls, c'est bon, il y a les nuages qui nous sortent de la grotte. Ah non, il n'y a pas de boss. Dans Dark Souls, quand il y a le nuage comme ça, c'est la boss après. Eh, mais il a pex pendant que vous étiez pas là. Donc. Non, c'est parce que je regarde des streams en ce moment. Un tremblement de terre. Faites-moi tomber des trucs dessus, quoi. Je pense que c'est fini. Bizarre. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'air ici, quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas le sentir ? D'abord les oiseaux qui s'envolent et maintenant ça. Ok, dépêchons-nous. Allez, en route tout le monde ! Il va falloir faire tomber une pierre. Pierre qui est là roule, hein, vous le voyez. Hein. Comme on dit, pierre qui roule amasse la mousse. Hein. Et hop là.
C'est toujours Bakel qui gagne. Faut vous y habituer, les enfants. Je suis vraiment désolé. Ouais, je disais, ouais, je suis en train de regarder des streams de Dark Souls. Enfin, le 3. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Un Water Ring qui me permet d'augmenter ma résistance à la Water. Ouais, mais c'est nul. Il a rien. Et ben, en fait, je regarde les lives de Benzaï. Donc, j'ai regardé le live sur Bloodborne. Et là, il vient de passer sur Dark Souls 3, je crois. Si je me trompe pas. Et donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal. J'ai un peu de problème avec l'humour pipi caca, mais voilà. Après, c'est un beaucoup bien meilleur streamer que moi. Hein. Je peux pas dire le contraire. Je sais pas quoi ça sert en fait, donc je vais éviter de le faire. Tu sais pourquoi Mickey Mouse, hein? Bon d'accord, je l'assume pas beaucoup cette blague, hein, mais je vais quand même la faire. Hein. Parce que Mario Bros. Parlez avec ER s'il te plaît. Je vais bientôt faire un anévrisme si tu continues. Arrête, c'est une blague super connue. Amélie. Ah mais si je le frappe pendant qu'il est pas encore sur terre, ça va être compliqué de le battre. Là. You surprise them. Que des single attaques. Time to get down and dirty. Faut que j'essaye. Je suis désolé. Ça me traumatise depuis tout à l'heure de pas savoir ce que c'est cette attaque là. Donc je vais essayer. Que ça fait rien ou que ça fait de la merde, hein. These knives are cutting edge. Let me show you. Ça augmente l'offensive. C'est un couteau de bœuf. Ah,
je me suis fait défoncer par un pigeon volant avec une tête de crocodile. Make things easier for everyone and stay out of our way. Vous avez trop de poussons de guérison des plaies. Oui, je sais. En même temps, mes plaies vont bien. Aucun sens ce que tu marques, narrateur, c'est une personne. Il faudrait dire sa narration à la limite. En même temps, tu fais pas beaucoup de narration à part pour dire que tu veux faire de la narration. Il arrive à invoquer des pigeons volants. Je l'appellerai Mimon. Théoriquement, c'est pas moi le narrateur. Quoique non, je suis la voix off. Est-ce que je suis la voix off ou est-ce que je suis le narrateur? Ah, c'est toi le narrateur, narrateur. Comment ça? Ils m'ont attaqué par surprise alors que je fonçais dessus. Ça devait être vachement une surprise. A fisherman. Allez, on va tous se soigner. Howling Winds. Leave this to me. Voilà qui nous fait son civil maintenant. Voilà, vous l'avez vexé, oui. Et je vais le level up. Et bravo, Bakael. Un 9 à mana. Bombe egg. Ça doit être pour des dégâts de feu. Le feu et terre. Qu'est-ce qu'elle a la petite main? Ah bah elle l'a déjà. Ce qu'il me faudrait moi c'est feu et bon. Je veux mon niveau moi. Ah désolé Milly, ce n'est pas moi qui choisis, c'est le bot. Il faut que tu dises de la merde et que tu regardes le stream. C'est comme ça que ça marche. Les gens regardent le stream, le bot dit « Ah, lui, il est gentil. » Je lui donne un niveau. Sinon, il va falloir que j'aille faire des courses parce que j'ai plus rien à manger. Ah ouais, non mais what the fuck, quoi. Faites-moi tomber comme si de rien n'était. Voilà quoi. Oh putain non, le clipping de l'ombre de l'ennemi.
Oh là 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 là, les enfants, c'est la Play 2, sérieux. Il est gentil, il est mignon, tiens, prends mon pognon. Et je prends le pognon, vas-y, donne le pognon, donne le pognon. Je vais faire un Tipeee pour m'acheter un... une capture board. Hey, were they even trying? C'est vrai qu'il y a eu le stream de Fire Emblem où je bouffais un putain de piment rouge et que je devenais tout rouge tout en pleurant ma race. J'avais oublié. D'ailleurs, quand je ferai le soul, il faudra qu'on établisse ce que je fais quand je meurs trop souvent. Je pense qu'il va y avoir un paquet de morts. Je pense qu'on fera ça tous les 50 morts, j'aurai une punition. On verra. Non, allez, il est pas mieux ton narrateur. C'est ta narration qui est légèrement mieux. At this rate, I'll be mobbed to death by fan. Et je pense qu'on va vite y venir en fait, parce que je pense que c'est un truc qui va me prendre un sacré bout de temps, et donc je pense qu'on va le commencer rapidement. Quitte à faire des pauses au milieu pour les sorties des jeux éventuels. Oh, il a un sort pété de glace, pourquoi je l'ai pas moi celui-là? Il était pas en vente chez le marchand. Why not make things easier for everyone and stay out of our way? Moi aussi je m'aime bien, je suis assez fan de moi-même, c'est mon petit côté nihiliste, vous savez. Howling wind. Non, ça marche pas, je suis désolé, il n'y aura aucun favoritisme, même pas pour les gens que j'aime bien. Déjà parce que c'est pas possible et puis parce que j'ai pas envie. Feel the bite of my blade! C'était censé nous faire dormir son truc. That was pitiful. Come back when you learn how to fight. Ouais, faites pas un abus quand même. Ça, c'est pas fait pour ça normalement le slash me. Normalement le slash me c'est aussi fait pour que je le voie. Mettre des trucs marrants. Mais... C'est un très bon endroit, les méandres de l'informatique.
Je te conseille la gauche. En effet, la narration est faite pour narrer. Pour dire de la merde, oui, mais pour narrer. Et pour se marrer, oui. Toujours. C'est là où on reconnaît que c'est un bonhomme, tu vois. Parce que lui, il pousse des gros rochers à main nue. Ils s'y mettent pas à quatre, hein, tout seul, direct, comme ça. Vous êtes des modos, vous avez besoin. Oh, mais je peux faire de vous des clodos et plus avoir de moi. Si c'est que ça pour vous faire plaisir. Si ce n'est que ça, on peut s'arranger. Non. De toute façon, vous pouvez pas tricher, il y a que Mikuya qui peut donner les niveaux. Donc vous pouvez bien dire tout ce que vous voulez. Hey, were they even trying? T'es des 9 autant que tu veux, t'inquiète, ça passe. Fais un ripple shot. Un ripple shot. Est-ce que ça va toucher? I've got it. Je l'ai. Le P et le S. Y'a comme ça. A blade of light to strike at our enemies. J'ai augmenté l'attaque la plus vue du jeu. On va faire un cry kick histoire de le renvoyer dans ses pénates. That was pitiful. Come back when you learn how to fight. Et maintenant j'ai plein d'argent. Tout à l'heure on galérait pour avoir 286 et maintenant j'ai 1500. Et 1500 c'est une somme quand même. Tu essaies de d'imiter mes couillards. Je suis désolé, je crois qu'elle est millionnaire. Je voudrais pas te critiquer, mon team. Je pense que tu ne fais pas le poids face à elle. Feel the bite of my flesh. T'inquiète, la soigneuse qui donne des coups de bâton, ça marche. Putain les gars, il y a pas assez d'histoire. Normalement dans un grand dia, au milieu des combats, on s'arrête, on discute. Et donc j'ai gardé une robe en coton. Une robe en coton qui est certainement pour Alphina la seule qui porte des trucs pas très lourds. Donc on va perdre... Ah putain, on a 3 de dev. La résilience c'est pour les faibles, de toute façon. Ça ne marche pas non plus.
caméra en PLS. Et GG Newman, tu es maintenant niveau 14. Donc comme je vous disais, vous ne pouvez pas tricher, l'autre Bouya a beaucoup plus de droits de vie de toute façon. Alright, we did it. Mon corps appartient à Miku. Un mec. Voilà, c'est bien dégueulasse, quoi. Ça se fait pas. You're surprised. Est-ce qu'on finit de mettre la caméra en PLS? C'est toi et toi. Et ouais, mais c'est pas moi qui décide encore une fois. Et je sais que vous avez du mal avec le principe. Bloodstorm. Ouh, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est le genre de coup que j'apprécie beaucoup. Ça c'est le genre de truc que j'apprécie. Quand on donne des coups d'épée en série, que ça donne du gros critique. C'est très sympa. Ça c'est l'attaque de fin de jeu, tu vois. C'est l'attaque qu'on veut utiliser sur tous les boss. Alright, we did it. Merde, j'en ai stun 1, c'est un autre qui m'a attaqué. C'est pas dingue. Putain, j'ai plus aucune magie. C'est un peu la mort du petit cheval. Ouais, enfin, ça faut le faire pour 150 personnes. Vous êtes gâtés à parler, y'a pas besoin de le slow, j'arrive à lire. Hein. Par contre, si tu slow le chat maintenant, je te tape. Hein. Enfin, si je le vois, parce que si tu l'as fait là, je l'ai pas vu. Y'a suffisamment de délai comme ça sans s'en rajouter. Non mais quand vous serez 500 à dire de la merde, on fera slow quand vous voulez. Mais là, ce serait ridicule de mettre slow alors que vous êtes 4 à discuter. Enfin, 4 avec moi, mais moi j'écris pas. Donc... Même si je pourrais... Light up the winds, cut swift and sure. To death by fans.
right to strike at our enemies! We did it! Winds cut swift and sure. I feel a little guilty. Something snap there. Trying. Ah, mais je parle dans le vent depuis tout à l'heure. D'accord, d'accord. Eh ben, merci de me le dire. Du coup, j'en étais où quand je vous parlais? Est-ce que vous avez entendu le moment où je disais combien vous étiez beau et intelligent?
Non, c'est pas grave, c'est pas arrivé. Vous inquiétez pas, ça revient, ça revient. Dites-moi juste ce que vous avez entendu pour la dernière fois. Comme ça, je sais à peu près jusqu'où vous avez entendu. Est-ce qu'au moins Aligle a entendu que je lui disais bonjour ? Ibaric Ya joue à Counter-Strike. Putain, ouais, petit counter là. Ça ferait le café. D'accord, donc tu m'as pas entendu te dire bonjour. D'accord. Donc, si, à Ligle, je t'ai dit bonjour, je t'ai dit que ça me faisait plaisir de te voir d'ailleurs. Et après, je t'ai dit aussi que tu ne seras pas modo parce que sinon ça va foutre le bordel. Et que Kazuo allait garder sa place parce que sinon Newmed va finir par le virer. Et que ça, ça va m'énerver. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? J'ai aussi dit que ça faisait plaisir de te voir. Et qu'il fallait pas hésiter à passer nous voir de temps en temps, discuter, hein. Moi personnellement, j'adore discuter avec les gens. Si vous avez envie qu'on ne soit pas d'accord sur quoi que ce soit, parce que en théorie, vous allez dire des trucs et je vais pas être d'accord, hein, soyons d'accord, au moins sur ça. Vu que mon avis est souvent totalement à l'ouest. Oh non, un caillou qui tombe. Oh oh, un taureau! Ah, tu vas être libre comme l'air. Ah bah c'est cool. Eh bah j'espère que tes devoirs étaient sympathiques et que tu as passé un bon moment dans tes révisions. Et j'espère aussi que tu auras le temps de te voir. Parce qu'il va se passer des choses incroyables. En effet, nous allons finir Grandia 3. Grandia 3. Et après, nous allons passer sur un Souls. Feel the wind blow. C'est pas la question. Je joue à Fire Emblem. C'est un jeu de stratégie aussi, mais pas le même genre. Des jeux de gestion stratégique, je joue à rien en ce moment. J'ai fait pas mal de jeux à une époque, mais non, en ce moment je joue vraiment à rien de joueur. Je sais qu'il y a un Warhammer qui doit sortir. Je me trompe peut-être de genre en même temps. C'est peut-être pas un stratégique qui sort en fait. En Warhammer. Si, Dawn of War, c'était du stratégique. Enfin, je me rappelle. Et qu'il est bien. Eh merde, tu l'as acheté. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il y avait un Warhammer qui devait sortir. Et non, je n'y joue pas parce que déjà parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les jeux ces derniers temps. Et qu'il faut arrêter les conneries. Et que en plus, j'aurais pas le temps d'y jouer trop. Heard something snap there. Ouais, mais il y a plein de choses que j'ai précommandées. Parce qu'ils sont l'eau et le feu de ce chat. Ils représentent tous les deux l'eau et le feu. Et comme on dit, l'eau et le feu finissent toujours par se mettre sur la gueule. Oh putain, Bloodstorm, c'est 5 ans. Je propose qu'on finisse le poisson dégueulasse. Oh putain, ça marche. Oh, c'est cool. Oh, on peut stun. On peut pas stun le boss. D'accord. Ça n'a pas marché longtemps. You're not enough for a me. Tu n'es même pas suffisant pour moi. Un shish kebab. Un passif.
putain, la healeuse qui va au corps à corps pour défoncer le boss à coups de bâton, quoi. Putain, mais c'est juste ça, les gars, ça fait rêver. Et c'est comme ça qu'on dose un boss, les gars, vous voyez. En fait, ce jeu est basé sur la barre de temps, mais ils ont vraiment poussé le système assez loin. On peut vraiment cancel à l'abus. Regarde, je viens de cancel le boss une fois de plus. Et ils montent tous en level. Ouh là là. Je devais avoir un retard de pex, ça devait être impressionnant. Et j'ai récupéré les fruits immangeables que l'on va donner. Eh, c'est bon. Nous sommes venus pour les fruits et on l'a. Encore un tremblement de terre. Non, pas encore. Je pense que c'est le moment de partir d'ici. Allez, on repart. Retournons sur le bateau. Tu peux pas mettre les règles de ne pas titiller les modos, surtout New Med. Si, bien sûr, je peux mettre des règles. Dorénavant, tous les modos devront dire je vénère le seigneur Bakel quand ils arrivent, et une fois toutes les 10 minutes. Est-ce que cela suffirait comme règle? Encore une fois. Alors pour faire les phrases avec ton nom devant, il faut taper le slash me et après ta phrase. Are you okay? Miranda? Miranda. Yes, I'm fine. But... Ouais, ça va, mais ah, la petite blonde est aspirée dans le vortex. Yuki, just hang on. I've got you. Don't let go. Ils ont ouvert des vortex. Est-ce que quelqu'un peut montrer le slash me à Ali? It's a verse sphere. Watch out, Yuki! Don't get sucked in! Le boss. Alfina! You've got to hang on! Alfina, il faut que tu t'accroches. Saute avec elle! No, Yuki, stop! Let me go! Let me go! Son regard, plein de puissance. Yuki! GG, Kazuo, quand on le possède. Stop, Miranda! Yuki! 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 Snap out of it! Ta, j'aime violer des chats. Non mais sérieux, Aligle, sérieux. Il faut pas violer les chèvres, Aligle. Il faut leur faire l'amour avec beaucoup de soin. C'est tout. Donc nous sommes tombés dans le vide. Ah bon, moi je trouvais cette blague marrant, Newmed. Bon, si tu dis que c'est trop. Nous sommes tombés sur du sable. Alfina. Where are we? Où est-ce qu'on est? Mm-hmm.
Je crois qu'on n'est pas du bon côté. So quiet. It's not natural. C'est si silencieux, ce n'est pas naturel. If Alonzo was right, and that's a gateway to the Verse Realm, then this is... This world is dead, like a cast-off shell. Huh? Ce monde est mort. This place can't be the Verse Realm. It just can't be. Cet endroit ne peut pas être le monde à l'envers. We should go. Right now. We don't belong here, Yuki. Neither one of us. Nous devons partir. Nous n'appartenons pas à ce monde. Alfina. Eh ben, Kael est jamais content, de toute façon. Faites comme vous voulez, mais... Par contre, vous permettez... Si vous kickez des gens, vous les bannez pas. Y'a que moi qui banne. Hein. Ou alors, faut que ça soit très très sérieux. La blague de la chèvre, c'est pas assez sérieux de mon point de vue. C'est par là. Marqué sur la carte. Un point de sauvegarde. En général, quand il y a un point de sauvegarde, ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis. On a eu une élévation de la technologie là d'un coup. Tu peux pas la rédiger ta This démission. Isn't the verse realm, tu sais right? pas l'écrire. Huh? Ever since I was a little girl. Depuis que je suis petite fille. I was taught that the guardians lived in the verse realm. J'ai appris que les gardiens vivaient dans ce monde. World, et qu'ils apportaient le bonheur dans ce monde. À travers nous, les communicateurs. Donc. That's why I can't believe that this. C'est pour ça que this je ne peux pas croire ça. Live. C'est l'endroit où les gardiens it. Vivent. Je ne peux pas le croire. Des fleurs de verre. I'm sorry. Je suis désolé. I don't feel anything here. Je ne sens rien ici. No happiness. Pas de bonheur. Not even the faintest glimmer of life. Pas la moindre source de vie. That's not true. There is life here. Ce n'est pas vrai, il y a de la vie ici. I'm here. Je suis ici. C'est mignon. Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'il fallait l'approcher, la petite blonde, pour qu'elle t'aime. It's so warm. Ta main Let's est go. Si chaude. Come on. Maintenant, tu peux tripoter la petite blonde, c'est bon. Non, t'as pas demandé ton avis, Newmed. De toute façon, il faut toujours forcer les nouveaux mariés, donc. Listen, someone's over there. Écoute, right. Il y a quelqu'un là-bas. Sais-tu danser la carioca? Qui est là? What are you doing here? The bonds. I have to sever them.
the bonds between our worlds. This world must be wiped from your world's memory. The Verse Realm must be forgotten. The Verse Realm? Go home now. Forget. Forget this world and all that you've seen here. Est-ce que vous avez vu ici? Forget so that you can never return here. Oubliez, comme ça vous ne pourrez pas revenir ici. Please come with us. Don't stay. So cold. Ah, si froid. Le monde, le lien entre les deux mondes. Elle veut que tout soit oublié. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde qui fait qu'elle ne veut plus je vais fermer le vide entre nos mondes en jouant de la polka. Oh putain, ils sont attaqués par des insectes. Donc il faut que je fasse le comet shot sur le boss. Of course. Mais bien sûr. Oh divine comet, bringer of light, illuminate the darkness. Tiens, toi t'es comme ça. Toi, t'es très mort. On va pas faire des attaques pourries comme ça. On va faire des attaques de zone. Il faut que ça rentre. Allez, on va faire des attaques de zone. Howling Wind! Sac. Ah, le boss ne prend pas le vent. C'est tellement classe qu'il les évite tous. Oh les gars, c'est bon, c'est compris, vous savez faire le vent. Putain, tu rocks du bon avis. Ah, t'as fait carrément l'attaque électrique. Ah ouais, tu fais parafoudre en plus. This one should work. J'aime bien ce blanc. Non mais tu peux pas le faire sans contrôle mon truc. C'est pas juste. C'est pas juste pour les viewers qui vont pouvoir perdre et les viewers ne veulent pas que je perde.
manuel. Stratégie à deux francs 6 sous. Heard something snap there. A blade of light to strike at our enemies. Oh, les attaques de Pokémon que vous me sortez depuis tout à l'heure, quoi. De Dieu, ça vend du rêve, les gens. C'est ça que je veux faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur le boss. Hein. You're not enough for a meal. Non mais ça fait trois fois d'affilée qu'il le fait quoi. Mais respecte-toi le boss quoi, fais d'autres attaques. Même si j'avoue que ça fait le café, mais putain. Et hey, GG à l'Igle pour ton premier niveau. Tu es donc officiellement dans la communauté, tu as le droit de rien. Sorry, I worried you both, but we're back and we're okay. Désolé de vous avoir inquiété tous les deux. You're sorry. Tu es désolé? Damn it, Yuki. Putain, Yuki. What were you thinking? À quoi est-ce que tu pensais? Whatever you had in mind, that was a hell of a rotten stunt. Fallait pas faire ça, t'as fait you peur had à two ta of us worried sick, kid. Think of your mother. De nous inquiéter tous les deux, gamin. Pense à ta mère. Mother. Look at her. Regarde-la. Oh, I... Je... I'm sorry. Je suis désolé. I wasn't thinking. Je ne réfléchissais pas. Miranda. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. You think an apology will make it all better? Tu penses qu'une excuse suffira? Brace yourself, boy. Prépare-toi, gamin. Huh? Oh, elle lui fait un câlin. C'est la première fois qu'elle se comporte comme une maman depuis le début du jeu. I'm glad you're safe. Je suis tellement heureuse que tu sois bien en santé. Me too. Bon, pourquoi vous nous raconterez pas tout ça pendant qu'on sera sur le bateau? Ouais, c'est pas faux. Barrons-nous de là, ça pue la merde. Bon, petit rappel, ça fait 7 heures qu'on joue, nous sommes level 12, ce qui n'est techniquement pas beaucoup, hein, ou 13. Parce qu'on a commencé niveau 1, c'est vrai que dans le jeu on commençait pas à niveau 5, donc ça va peut-être moins vite. Toujours est-il que nous ne sommes que level 12 et nous n'avons pas fait grand chose de notre vie vu qu'on n'a toujours pas réussi à atteindre le continent principal. Tout ce qu'on a fait c'est un voyage en bateau et visiter une île toute pourrie pour ramasser un fruit. Allez, montons sur Mendy City. Ta ta ta. C'est totalement à l'ouest. A dead, lifeless world. That place was really strange, wasn't it? It was beautiful. And yet, somehow so hollow.
Cet endroit était magnifique et pourtant si vide. Yuki, I want to thank you. Hmm? You held my hand, didn't you? And your hand. Yuki, tu as tenu ma main. If it wasn't for that warmth. Si ce n'était pas pour cette chaleur. I don't think I could have made it back here. J'aurais pas pu revenir. But that girl. Ça change pas grand-chose, Alig, que tu sois un homme ou une femme. Tu peux te marier dans les deux cas. Her hands, they were so cold. Leurs mains étaient si froides. As if no blood was flowing through them. Comme s'il n'y avait pas de sang dans leur corps. Her eyes were so sad. Leurs yeux étaient si tristes. I'll never forget it. Je ne l'oublierai jamais. Ça me saoule. J'aurais tellement voulu pouvoir les réchauffer. Mais why did she stay there? Pourquoi est-elle restée là-bas? Why didn't she come with us when she had the chance? Pourquoi n'est-elle pas venue avec nous quand on avait la chance? But I just don't know how. Je voulais tellement l'aider, mais je ne savais pas comment. Qu'est-ce que je dois faire? Alfina. Alfina. Let's fly. Huh? Let's fly. You don't have to worry anymore. Tu n'as plus we'll à find the answer. Je vais trouver les réponses. We'll do it together. On le fera ensemble. Let's fly. Volons. You and me. Toi et moi. Putain, mais baise là, quoi. Arrête de tourner autour du pot. Come on, Alfina. Allez, Alfina. We have to tell them. Nous devons let them know what we saw there. Raconte-leur l'histoire qu'on vient de vivre. Non, non, on va pas parler de l'homosexualité, on parlera pas de débat politique non plus. C'est mort, ça. C'est un chat gaming ici. Sérieux, la cabine du capitaine ne sert à rien. Putain, je sais pas ce que je vais manger à midi. Je suis content que vous soyez revenus en pleine vie, en pleine santé. Nous arriverons à Mendy demain. Donc, préparez vos affaires. Faites le plein de nourriture et dormez bien. Ah, nous allons enfin pouvoir voir Mendy. Je me demande si je pourrais rencontrer Schmidt. Ton héros, c'est ça, Yu? C'est ça, le pilote légendaire. Le coucher de soleil est si magnifique sur l'océan. Il n'y a rien pour bloquer la lumière du soleil. La première fois que j'en ai vu un, je n'ai pas pu arrêter de regarder. Et maintenant, je suis plutôt habitué. Qu'est-ce qu'il y a, Miranda? Tu sembles totalement abattu. Hein? Est-ce que tu as dit mon nom? Désolé, je n'avais pas l'intention de vous mettre en danger. Je n'ai aucun regret d'avoir sauté dans la Versper. Le trou de ver. Donc, ne te blâme pas. Et moi, si je tape slash me, fais-moi des pâtes new med, tu me fais des pâtes ou pas? Mais qu'est-ce qui se trouvait de l'autre côté de ce trou? Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, c'était plutôt étrange. Comme un monde entier fait de verre. De verre? Le monde parallèle n'est rien de ce que Elf disait. Mais
C'était sans vie. C'était magnifique, mais tellement triste. Merci Kazuo, à la prochaine. Ce fut un plaisir. Ah, un monde sans vie. Quelle que soit la beauté de ce monde, ça ressemble à l'enfer pour moi. Non, il y avait quelqu'un là-bas. Une fille avec des yeux tristes. Je voulais qu'elle vienne avec nous, mais sa main était si froide. Non mais tu vas fermer ta gueule tout le repas, Miranda. Il y avait quelqu'un d'autre de l'autre côté, un humain comme nous. Mais elle avait des ailes. Je me demande si cette fille vit seule dans ce monde si triste. Cette fille jouait du violon pour couper les liens entre nos deux mondes. Pour moi, elle avait l'air plutôt solitaire. Elle semblait rechercher de l'aide. J'aimerais tellement pouvoir la réchauffer, comme Yuki l'a fait avec moi. Et là, ils devraient tous s'étouffer, quoi. Putain, elle va pas avoir un seul dialogue de la discussion. Eh ben, bon appétit à l'Eagle, à bientôt. De toute façon, je vais pas tarder à couper la vidéo, moi aussi. Couper les liens. Je me demande par quoi... Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? J'espère que ce n'était pas un signe. One revelation. C'est bien, Alfina. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous finirons par trouver les réponses. Yuki? C'est bon, elle se retrouve. Yuki, alors j'imagine que tu vas... Il doit avoir une façon d'aider cette fille. Pour la réchauffer. N'est-ce pas, Yuki? Nous finirons certainement par en découvrir plus à propos de ce monde parallèle. Demain va être une journée très chargée. Nous devrions aller dormir. Ouais, je suis crevé moi aussi. On se voit demain. Et les amis, je pense qu'il est l'heure de finir ceci après la cinématique. Est-ce que tu as une minute, Alonso? Oh, elle va coucher avec Alonso pour soigner sa tristesse. Qu'est-ce qu'il y a? N'empêche, c'est classe. C'est rare de voir un personnage ouvrir la porte pour aller quelque part. C'est Yuki. Lui et Alfina nous quitteront. So what's the problem? Let him go. Quel est le problème? What? How can you say that? Comment tu peux dire ça? Much too young. Ils sont bien trop jeunes. They can't make that decision on their own. Ils ne peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes. I feel lost. Je me sens perdu. My good mother, est-ce que je suis une bonne mère? What to do anymore. Je ne sais pas ce que je dois faire. I've never seen him. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Look like that before. Il semblait si adulte. I always thought that parents ought to know their own children better than anyone. That they should be able to read their thoughts like a book. Je pensais que les parents devaient connaître leurs enfants par cœur. I just don't understand them at all anymore. Mais je ne le comprends plus du tout. Voilà. Oh, il va se taper là, maman. Tu vois, lui, c'est un petit malin. Set out to sea. I was 16, Yuki's age. La première fois que je suis sorti en mer, j'avais l'âge de Yuki. I was in a little boat. J'étais sur un petit bateau. And I got caught up in a terrible storm. Et on a été pris dans une terrible tempête. It tossed me around on the water like a leaf. Up and down. Nous cessions de monter sur les vagues. I was pitched on the waves. J'étais pris dans les vagues. I thought all was lost. J'ai cru que tout just était perdu. As I gave up hope, et alors que j'abandonnais, the dark clouds parted. Les nuages se sont and dissipés. A ray of sun shone down on me. Et le soleil est apparu. Whenever he flies, Yuki vole, probably feels the same way I did at that very moment. Yuki doit ressentir la même chose à ce moment.
He's a man now. C'est un homme maintenant. In time, he'll have to go off in search of his dreams. À un moment ou un autre, il doit partir chercher ses rêves. Mais no matter what, quoi qu'il arrive, he'll always be your son, Miranda. Il sera toujours ton fils, Miranda. Isn't that enough? Est-ce que ce n'est pas suffisant? All right, you and I, we're gonna talk until dawn. Bien, toi et moi, on va parler jusqu'au lever du jour. Ah, je te dis, il va se taper Miranda, hein. Elle va être bourrée, ils vont se réveiller ensemble. Hein. Ah, ces adultes irresponsables. Voici les méfaits de l'alcool. Et 9 mois plus tard, il y a un gosse. Tu mets, il y a des putains de paquebots avec des lance-roquettes dessus. Et moi, je sais quoi, j'ai un petit truc à la con. Avec une pauvre voile. Mais si. Franchement, Alonso a pas l'air d'être le genre de personne à se protéger. Et on y est. Voici Mende, la plus grosse ville du continent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Yuki? Tu n'es pas excité? C'est juste que... Quand je pense que Schmidt vit ici, quelque part, dans le coin, ça me rend nerveux. Est-ce qu'il voudra bien nous voir? Tu es un étranger après tout pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire par quelque part? Tu ne sais pas où il est? Hein? Ah, on va tout demander à tout le monde. Quelqu'un doit bien connaître Schmidt. Eh, bon plan. Allez, on y va. Est-ce que vous m'ignorez tous les deux? Bienvenue sur Mende. C'est un bateau plutôt rapide. Et ouais, je viens bien de sa porte et tout, Un point de sauvegarde. Et voilà ce que je cherchais. Les amis, je vous souhaite un très bon appétit et on se voit un peu plus tard pour la suite des aventures de Yuki dans le monde de Grandia 3. C'était Bacchael Live et je vous remercie d'être passé. À la prochaine.